Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Je suis en compagnie de Franck Sauzet pour vous faire vivre ce match. Salut Hervé, content d'être à vos côtés. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nous sommes à Paris aujourd'hui pour vous faire vivre ce match. Oui, bonjour à tous et on espère du beau jeu tout simplement. Ce groupe qui sera attendu au tournant dans ces matchs de préparation et durant toute la saison. L'objectif n'est ni plus ni moins que le titre. Il est sur la trajectoire. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Oh, la tête. Oh, il marque sur cette action et il confirme qu'il ne faut pas le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Oh, très belle action. On sent son expérience et sa classe. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait un... Jérémy Ménez. Le Paris Saint-Germain qui marque. Oh, c'est un match très serré, hein, extrêmement serré. Et les voilà donc à égalité, un but partout. Martin. Ouais, la belle passe. Benoît Chéroux. On cherche l'ouverture. Il déborde, il va centrer. Un centre bien négocié par le gardien. Ouais, il faut faire le bon choix maintenant. Mathieu Digne. Ouais, bien vu cette passe. L'action est envoyée. Mathieu Digne. Gignac. Bonne interception. Alors Franck, comment voyez-vous cette partie? Action n'aura pas plus loin en jeu. Et aller voir protéger son ballon. Martin. Et le Parisien récupère. Et ça leur donne. Oh, le contre. Il va se retrouver face au gardien. Ah, elle est bien partie cette frappe. Le Paris Saint-Germain qui marque. Et ça fait deux buts. Deux buts pour son compte personnel. Mène à la marque désormais de buts à 1. Benoît Chéroux. Morel. Ballon pour Valbuena. C'est bien vu. Il a du soutien. Oh, la beau tir. Oh, c'est dommage de rater une telle occasion, vraiment. Et il avait été lancé au millimètre pourtant. Martin. Oh, l'arbitrage à l'anglaise là. Allez, ça peut aller vite sur ce contre. Ouais, c'est bien joué ce contre. Oh, la jolie frappe. Le gardien repousse. Oh, ça peut revenir. Il fixe le ballon pour placer une volée. Gignac. Peut-être une occasion. Ça peut être dangereux, il est bien lancé. Oh, il ne passe pas. Avec Zlatan Ibrahimovic. Oh, quelle occasion, il va marquer. Oh, la belle frappe. Ouais, c'est repoussé. Valbuena. Il avait bien senti le coup. Et on va pouvoir lancer le contre. Il s'infiltre.
Le Paris Saint-Germain qui marque. Allez, le score qui est maintenant 2-3 buts à 1. Benoît Chéroux. Ça passe et qui perd le ballon. Ibrahimovic. Un petit peu bête là, cette touche. Et ce ballon qui ne donne rien. Ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Mathieu Valbuena. Oh, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Et repousse le danger. Non, le contre, il faut aller vite maintenant. Oh, il y a un coup à jouer, il a du soutien. Il fait intervalle. Jérémy Ménez. Le Paris Saint-Germain qui marque. Il faut... Un match énorme, tout simplement. Trois bouts d'affilée, c'est superbe. Et vous le voyez au tableau d'affichage, ça fait 4-1. La passe parfaitement dosée. Jérémy Ménez. Attention au contre. Oh, c'est ouvert à Boulevard. Oh, c'est bien parti. On s'est repoussé, attention. Il n'avait plus que le gardien à battre, quel dommage. Il faut dire que le gardien lui a bien fermé l'angle, il ne s'est pas trop livré. Et maintenant Valbuena. Benoît Chéroux. Martin. Et ça donne un bon ballon. Valbuena qui résiste, joli. Jérémy Ménez. Ah, que veut dire l'arbitre? Ils sont pas réalistes, les Marseillais, jusqu'à présent. Regardez la statistique, ils ont le ballon, mais ça ne suffit pas. Ils ont une bonne chose de garder le ballon, encore faut-il voir ce que vous en faites. Il est à l'interception. Et la bonne passe. Et il centre. Et la tête. Et bien contact. Et c'est donc un corner. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Et voilà, fin des 45 premières minutes sur ce score de 4 buts à 1. 5 buts, c'est pas mal. Alors beaucoup d'enjeux évidemment dans ce match, c'est assez habituel entre ces deux équipes, mais le rapport de force est clairement déséquilibré à la pause. Oui, on a vu une équipe mieux en place que l'autre, plus tranchante, plus appliquée. Elle vient de livrer une grosse première période, reste à savoir si elle pourra conserver ce rythme pendant le reste de la rencontre. Un remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oh, l'entraîneur de prendre plus de risques, elle veut conserver ce résultat favorable. Oh, il y a du talent hein, chez ce joueur, regardez ce qu'il nous fait. Il pose son ballon pour ce corner. Famille. Ah là, ça passe largement au-dessus de la barre.
et les Marseillais qui vont procéder à un changement. Bon vieillissement sur cette passe. Ballon pour Valbena. Et la passe qui avait une bonne situation de jeu. Oui, bien joué le contre, c'était pas fini. La Messi. Il y a un bon coup à faire dans l'axe. Oh oui, la bonne passe vers les buts. L'occasion peut-être avec cette frappe. Le gardien va pouvoir se dégager. Gignac. Ouais, bien vu cette passe. Ça me touche pour le Havre. Le ballon qui file en sortie de but. Mota. Christophe Jallet. Ils vont tenter de déborder par l'aile peut-être. Et ce sera une touche pour le PSG. Ouais, le ballon qui lui colle au pied, c'est parfait. Martin, Gignac. Et le PSG qui récupère le ballon. Et je vous laisse admirer la fluidité. Dans le jeu de passe, il y a toujours une solution, voire plusieurs même. Construise, ils font tourner. Peut-être le but. Le Paris Saint-Germain qui marque. Là, c'est un petit peu un cliché, mais enfin, on va dire bon coaching, hein, puisque le joueur vient de rentrer et il marque tout de suite. Et clairement, c'est un match à sens unique. Hein. Martin. Fanny. Il intercepte. Oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et il stoppe l'attaque. Attention, il n'y a plus que les gardiens sur sa route. Le PSG qui combine bien. Oh, quel joli tir! Le Paris Saint-Germain qui marque. Et c'est tout simplement son deuxième but personnel aujourd'hui. On peut presque dire que c'est un match à sens unique avec ce nouveau but. Martin. Tenté, mais non. Avec Zlatan Ibrahimovic. Quel talent on attaque chez ce joueur. Ah, pour moi, c'est simple, c'est l'un des tout meilleurs au monde à ce poste. Et là, voilà, la frappe. Oui. Ah, c'est un but qui leur permet de prendre leur distance à la marque. Oh, que ce but va leur faire du bien là, ils vont se sentir encore plus libérés. Valbena. Gignac. Il trouve bien son partenaire. Et il s'enfonce. Et on sonnera la relance plus tard. Martin. Le Paris Saint-Germain qui n'est pas inquiété finalement dans ce match. Prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Benoît Chirou qui rejoint le vestiaire. Il arrive ici. Le ballon qui sort, le gardien va pouvoir se dégager.
Kivi, attention. Et elle n'ira pas plus loin cette action. Il a le temps de lever la tête avant de centrer. Un petit peu bête là cette touche. Mota. Alexis. Le ballon repris par Valbena. Il a réussi à passer. C'est un bon ballon ça. Au centre sûrement. Juste ballon de la tête. Il a du monde autour de lui, il y a quelque chose de bon à faire. Et ce sera une touche pour le PSG. Pour Ibrahimovic. Va-t-il parvenir à centrer? Oh, ça va rentrer. Et c'est au fond. Et ça fait deux buts. Deux buts pour son compte personnel. Bien vu. On pensait en fait que ce ballon allait heurter la barre. Et au dernier moment, il est passé juste en dessous. On assiste à un match clairement à sens unique. Et maintenant Valbona. Gignac. Oh oui, il est beau ce ballon. Un ballon perdu. Mota. Ouais, ça joue bien là. Et il se rapproche dangereusement des buts. Ah, il n'a pas pu maîtriser ce ballon qui sort en touche. Il est à l'interception. Il met le ballon dans la boîte. Il essaie de la tête. Alors, il place le gardien, bien placé. Et voilà, les trois coups de sifflet, c'est fini. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce match. Franck, finalement, ça a buté une victoire facile.